Une introduction au congrès de la NLS en 2023. Sous le titre « Malaise et angoisse dans la clinique et dans la civilisation ». Ce titre que je vous propose pour notre prochain congrès, qui se tiendra à Paris en mai 2023, est directement issu d'un passage du texte de Lacan intitulé « La troisième », qui est sa conférence prononcée à Rome le 1er novembre 1974, récemment rééditée dans une nouvelle forme aux éditions Navarin, dans un très joli petit volume bleu. Voici ce passage. C'est quand même du malaise que quelque part Freud note comme le malaise dans la civilisation, que procède toute notre expérience. Le paragraphe suivant va préciser de quoi est fait ce lien de causalité directe entre le malaise au sens de Freud et l'ensemble de l'expérience analytique. Ce qu'il y a de frappant, c'est que, à ce malaise, le corps contribue et d'une façon dont nous savons très bien animer les animaux, si je puis dire, quand nous les animons de notre peur. De quoi avons-nous peur? Cela ne veut pas dire simplement à partir de quoi avons-nous peur. De quoi avons-nous peur? De notre corps. C'est ce que manifeste ce phénomène curieux sur quoi j'ai fait un séminaire toute une année et que j'ai dénommé de l'angoisse. L'angoisse, justement, se situe ailleurs que de la peur dans notre corps. C'est le sentiment qui surgit de ce soupçon qui nous vient de nous réduire à notre corps. Donc, le corps paye son tribut d'angoisse. Dans la perspective de cette citation donc, qui me guide, l'angoisse est la trace de la contribution de notre corps au malaise dans la civilisation, ce corps qui en devient support-surface de ce qui fait symptôme dans la civilisation. Ce déplacement, opéré par Lacan dans son texte télévision du malaise au symptôme, qui nous est devenu familier, pourtant n'est en rien automatique. Il signale plutôt un franchissement, qui est celui que Freud effectue dans son ouvrage « Malaise dans la civilisation ». Je poserai que c'est par la voie de l'angoisse que ce franchissement s'opère. C'est par la voie de l'angoisse que, pour un sujet, son malaise dans sa civilisation, dans son groupe humain, familial, de travail, pourra être lu par lui comme symptôme dans sa singularité. Et d'un autre côté, l'affect du malaise est résonance dans le corps de ce qui fait symptôme dans la civilisation d'aujourd'hui, ce dont témoignent d'ailleurs spécialement les enfants et les adolescents, souvent jusqu'au ravage, là où l'angoisse n'est pas reconnue. Car la voix de l'angoisse est aussi bien la voix du désir. Et c'est en cela que l'angoisse est dans l'affect du sujet ce qui ne trempe pas. Comme le formule Lacan dans son séminaire interrompu Les noms du Père, quand il veut faire entendre le niveau radical où s'inscrit la fonction de signal de l'angoisse. En effet, dans l'angoisse, le sujet est affecté non seulement par le désir de l'autre, mais aussi par la transformation directe de la libido, dit Lacan, là où le signifiant défaille à l'inscrire. Ce nouage que réalise l'angoisse entre le corps, le grand autre et la pulsion, Lacan le repère déjà chez Freud dans l'addenda de inhibition, symptômes et angoisse, où celui-ci réexamine sa thèse première qui situe la pulsion sexuelle comme cause traumatique de la réelle angst, signifiant dont la signification d'angoisse réelle en français a fait reculer les premiers traducteurs de Freud. Lacan
formalisera ce nouage, comme nouage réel, symbolique et imaginaire, à partir du moment où elle va considérer l'angoisse comme le signe de la présence, de la réelle, du réel d'une jouissance. L'angoisse, donc, surgit dans le moment et dans le lieu où notre corps se trouve affecté de se produire dans le réel comme corps organisé et de s'y maintenir dans sa forme, selon les deux opérations que Lacan isole pour introduire ce passage sur malaise et angoisse que je vous ai lu tout à l'heure. Nous pouvons ici penser à ce qui est désigné comme phobie sociale ou comme phobie scolaire chez les plus jeunes. Quand le sujet ne peut plus franchir le seuil de sa maison, de son école, sinon au risque d'un état de crise panique. Ce sont précisément des moments où le corps de l'être parlant se manifeste comme tout à fait hétérogène à son milieu, à son environnement, à son inscription dans son groupe social. Nous pouvons aussi faire référence à ces faits cliniques où le corps parlant devient massivement hétérogène à son statut de consommateur, au point de ne plus avoir de lieu où exister au milieu de l'envahissement des déchets, dans le syndrome de Diogène, ou bien hétérogène à son statut de conducteur au moment où il s'agit d'entrer dans le flux d'une autoroute ou de franchir un pont. Ces moments et ces lieux de l'angoisse se distinguent précisément d'être ceux où l'être parlant réduit à son corps ne trouve pas à s'inscrire dans le monde en tant qu'il est imaginé par nous comme monde pour tous les animaux le même. Citation toujours du troisième. Soudain, cette condition de l'être parlant, de se produire comme corps organisé, d'avoir à se maintenir dans sa forme, ne s'inscrit plus pour lui comme faisant destin dans ce monde-là. Car ce n'est évidemment pas monde qu'il est, c'est immonde, dit Lacan. Arrêtons-nous sur cet équivoque que Lacan saisit pour la faire résonner dans ce contexte. C'est une équivoque qui s'est glissée dans la langue française entre des mots qui ont évolué dans deux champs sémantiques apparemment très différents, monde, immonde, à partir d'ailleurs d'une origine commune qu'est le mundus latin. Le mot monde se présente comme définissant un ensemble, une totalité qui fait accueil à ce qui existe ou à ceux qui existent. Totalité à partir de laquelle peut s'opérer un certain nombre de distinctions signifiantes. Cela va d'une expression comme « tout le monde » ou bien « chacun vit dans son monde ». Le mot « monde » fonctionne comme un opérateur signifiant susceptible de créer autant de mondes que l'on veut. Et c'est cela qui lui confère sa puissance universalisante. Le mot « immonde » qui est celui qui produit l'équivoque en se confrontant au monde, fait surgir une double valeur. D'une part, il désigne ce qui n'est pas le monde, en tant qu'il est imaginé par nous comme partagé entre humains, animaux, plantes, tous les êtres vivants, et donc universel du fait que l'unité de notre corps nous force à le penser comme univers. Citation toujours de Lacan. D'autre part, et fondamentalement, cet équivoque révèle l'objet rejeté, par excellence l'immondice, comme étant ce sur quoi se fondent malaise et angoisse, que Lacan a nommé objet petit a à partir de l'expérience analytique. Cet objet est précisément ce qui s'oppose au monde comme univers, car il se présente toujours comme pièce détachée, selon le terme proposé par Jacques-Alain Müller dans son cours. Pièce détachée qui n'aura pas d'autre place dans le monde humain partagé, cher à Hannah Arendt, que celle que pourrait y occuper le désir, oiseau céleste,
à la fois place du manque et support de la fonction de plus de jouir. L'objet est le plus de jouir. Cet objet rejeté est un objet absolument précieux quand il s'isole dans la cure analytique, car à se détacher de la pulsion dans l'angoisse, il en devient objet cause du désir. Il faut ce mouvement. Dans cette chute de l'objet pulsionnel, scintille en effet, tel un météore, un rayonnement fugace de plus de jouir, seul reste réel de l'opération. C'est une trace, cette trace inoubliable qui peut faire destin pour le sujet, pour autant qu'elle se déclare alors comme désir dans le dire de l'analysant. Ce sont les désirs qui ici constituent dans une cure le sort des pulsions, comme le dit Lacan dans l'un de ses tout derniers séminaires, le 18 mars 1980. La langue française permet de dire que les désirs font alors un sort aux pulsions. Ils les désamorcent en tant que source de malédiction, de mauvais sort dont le sujet se plaignait jusqu'alors, et ils assèchent ainsi la féroce gourmandise du surmoi, telle que Freud l'a fait surgir dans le malaise dans la civilisation. Aujourd'hui, un nouveau sort est venu s'ajouter à cette même place aux autres destins freudiens de la pulsion, avec l'arrivée dans notre monde d'objets plus de jouir en toc, selon l'expression de Lacan, des gadgets. Nous ne savons pas s'ils font bon ou mauvais sort pour nous, mais nous pouvons dire qu'ils font désormais partie intégrante du malaise dans notre civilisation. Avec l'expérience de la télévision, de l'ordinateur connecté, maintenant des jeux vidéo, des portables, nous aurions toutes les raisons de penser que ces objets gagnent à tous les coups et qu'ils ont pris le pouvoir. Ce sont eux qui aujourd'hui font monde, c'est-à-dire qui universalisent notre monde, qui le mondialisent, qui le globalisent. Mais est-ce ainsi que nous devons considérer les choses ? Lacan semble penser que non. Je le cite. Les gadgets gagneront-ils à la main ? Toujours dans la troisième. Les gadgets gagneront-ils à la main ? Arriverons-nous à devenir nous-mêmes animés vraiment par les gadgets ? Cela me paraît peu probable, je dois le dire. Nous n'arriverons jamais vraiment à faire que le gadget ne soit pas un symptôme. Voilà une voie qui nous intéresse. Le même mois, dans une autre conférence à Nice, il ajoute « Ils ont de ceci de particulier, ces gadgets, de porter la marque de l'être qui les a fabriqués. Il n'est rien qui n'aille plus vite au déchet que les dix gadgets. Ça finit dans une décharge où on les démantibule. » C'est tout à fait comparable au sort d'un être humain. Nous ne pouvons pas penser et donner à penser aux enfants du siècle que les gadgets sont le destin de notre monde et de nos existences, alors que comme tous les objets qui sont liés à notre corps, ils participent de l'immonde. À ce titre, ils font malaise dans notre civilisation, ils sont symptômes de notre civilisation, en prétendant créer un plus de jouir en toc. L'usage par Lacan. Dans sa troisième conférence parlée à Rome, donc la troisième, de cet équivoque monde-immonde, fait surgir, en un éclair, un plus de jouir dans la langue. Cet acte de parole rend présent en tant que tel l'objet en cause dans le malaise. Chaque fois que ça veut faire monde pour les êtres parlants ou pour un être parlant, l'immonde est présent. Malaise et angoisse sont les signes de l'inscription des corps parlants dans cet immonde qui en constitue la doublure et témoigne du ratage de ce corps à faire du un. Cet objet du malaise, au cœur du malaise et en place de cause de l'angoisse sera donc l'objet de toute notre attention. Nous disposons pour notre boussole de deux textes de Jacques-Alain Miller,
l'un une fantaisie qui tire les conséquences dans notre époque hypermoderne d'une phrase de Lacan dans Radiophonie qui signale la montée au zénith social de l'objet dit petit a, l'autre, le salut par les déchets, nous évoque immédiatement l'autre face de l'objet. Souligné également par cette phrase de Lacan, la civilisation, c'est l'égout. Ce qui fait civilisation, de fait, c'est bien la façon de se faire responsable de ce qu'elle rejette, question actuelle, s'il en est. Nos ressources ne sont pas minces pour aborder ces enjeux. Les grands textes freudiens que sont Inhibition, symptôme, angoisse, Le malaise dans la civilisation, Le séminaire, livre 10, L'angoisse, son commentaire par Jacques-Alain Miller, recueilli dans les numéros 58-59 de La cause freudienne, les nombreux travaux de nos collègues sur ces thèmes. Je veux citer aussi l'une de nos publications en langue anglaise, qui est également très précieuse, parce qu'elle recueille des émergences du malaise contemporain à partir de vignettes adressées par des correspondances de tous les groupes et sociétés de la NLS. Je parle ici de The Lacanian Review Online, édité par Jeff Herbe et Jorge Azef. Je vous en conseille la lecture de façon sérielle. C'est tout à fait passionnant. Je conclus avec Freud et les premières phrases de son malaise. Au tout début de son texte, face à l'opinion du moraliste, que Freud fait surgir bien sûr, qui dénonce que les humains ne voient pas les vraies valeurs de la vie, Freud apporte cette simple remarque. Cependant, en portant un jugement général de cet ordre, on risque d'oublier que le monde humain et sa vie psychique ont de multicolores. Multiples couleurs, en effet, des jouissances, des désirs, des objets, des idéaux, et surtout des symptômes, qui en sont pour nous, psychanalystes, la voie la plus sûre d'être réponse à cette faille qui fait malaise dans notre civilisation et à l'objet dont l'angoisse fait trace dans nos subjectivités. Merci de votre attention.